Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Reim Ben Amasim Chazara, Bad Mazal Tov Shish Portish, Yaakov Ben Blanche Rajaj, Reim Elio Ben Shalom Louski. Si vous souhaitez vous aussi dédier les prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Vatra Perek He Mishnah Vav. Arba Midot Bamochrin, Machar Lochitim Yafot Venimseu Raot. Alokeach Yachol Lachazor Bo. Raot Venimseu Yafot, Mocher Yachol Lachazor Bo. Raot. ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות, אין אחד מהם יכול לחזור בו. שחמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שחמתית, עצים של זית ונמצאו של שקמה ונמצאו של זית, יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהן. Nous avons fini avec les הלכות de celui qui vend une chose importante, quelles sont les choses annexes qu'ils vont avec. On va maintenant découvrir quelques הלכות d'achat et de vente. De tromperie, à partir de quand peut-on annuler une vente plutôt. Et avec, on commence une première Mishnah, 4 Arba Midot Bamochrin, littéralement 4 mesures dans les vendeurs, c'est-à-dire 4 situations de vente où il y a eu erreur, tromperie, où l'on pourra annuler une vente. Oui ou non, selon le cas, comme on va voir tout de suite. On va voir 4 situations en réalité. Machar lochitim yafot venimtse uraot. S'il lui a vendu du blé prétendu être yafot, beau, c'est-à-dire de bonne qualité, venimtse uraot, il s'avérait que le blé était mauvais. Alokeach yachol lachazor beau. L'acheteur, le lokeach, celui qui est lokeach, qui prend donc l'acheteur, yachol lachazor beau, est en droit d'annuler la vente. C'est-à-dire, je vous vends du blé en prétendant qu'il est de bonne qualité. Il s'avère que finalement c'était l'autre sorte, le deuxième choix. Ben vous revenez me voir, vous avez le droit, vous êtes en droit d'annuler la vente. Vous allez me dire c'est évident, heureusement. C'est vrai, mais il y a quand même deux précisions à apporter à ça. Tout d'abord, première précision. Vous avez le droit d'annuler la vente, mais moi j'ai pas le droit de l'annuler. C'est-à-dire, dans la mesure où je vous ai vendu du blé, que j'étais censé vous fournir de la bonne qualité, alors quand je vous fournis de la mauvaise qualité de blé, moi de mon côté, je vous ai quand même donné ce qu'on a convenu entre nous. À la différence du dernier cas qu'on va voir dans la Mishnah, où je vous ai vendu une chose et il s'avère que je vous ai donné autre chose. On sera tous les deux en droit d'annuler la vente, si on s'est trompé. Mais là, cette fois-ci, puisque je vous ai promis du blé, je me suis engagé à donner du blé de bonne qualité. Lorsque je donne du blé de mauvaise qualité, moi, de mon côté, j'ai quand même rempli la condition que si vous désirez, finalement, maintenir la vente et moi, je désire annuler, ben, je ne serai pas en droit d'annuler le vendeur. D'accord ? Donc, tout est dans les droits de l'acheteur qui s'est fait, lui, tromper. Donc il sera en droit d'annuler la vente s'il le veut. D'accord, on reprécisera ça ensuite dans le troisième cas de figure. Une autre précision aussi importante, c'est que on parle du cas, même si, bien sûr, vous êtes déjà parti au marché, vous avez déjà vu comment chacun dit « Voilà, je te vends les meilleures qualités, les plus belles pommes du monde et tout ça », et vous achetez les pommes, il s'avère qu'elles sont mauvaises. On aurait pu croire que lorsque vous venez pour annuler la vente, moi je vais vous dire « je vends ma marchandise, tout le monde vend de la marchandise ». Ben vous allez me dire, non, t'as dit que tu vendais la bonne qualité, premier choix, t'as dit le mot premier choix, tu ne peux pas me fourguer ensuite du deuxième choix, t'as menti, donc vous êtes en droit d'annuler la vente. D'accord, c'est clair. Deuxième cas de figure maintenant, le cas inverse. La Mishnah est relativement simple. Il y a quand même quelques précisions par-ci par-là, mais en tout cas le principe il est très clair, très évident. Ra'ot, deuxième cas de figure, ra'ot venimtseu yafot. Mauvaise, et il s'avère que c'est de la belle qualité. Je vous vends donc de la marchandise, du blé, prétendu être de mauvaise qualité, deuxième choix, et il s'avère que c'était de la bonne qualité. Mocher yachol lachazor bo, le vendeur est en droit d'annuler la vente. C'est-à-dire, on va illustrer ça avec un cas simple d'abord avant de rapporter le cas dans le deuxième tov. Tout d'abord, j'ai des sacs de premier choix et des sacs de deuxième choix. Chez moi, l'étalage, c'est bien défini. À droite, la bonne, à gauche, la mauvaise. Et je vous vois là-bas retirer un sac de gauche. Donc, de mauvaise qualité. Et vous me dites combien c'est? Je dis, ben, 5 shekels, c'est deuxième choix. Et une fois que vous prenez la marchandise, vous payez même, je me dis, attends, ramenez-moi le sac une seconde. Et j'ouvre le sac, je réalise que c'était du premier choix. Je suis en droit d'annuler la vente. Pourquoi? Je vous ai vendu de la mauvaise du deuxième choix. C'était censé être du deuxième choix. Et c'est vrai que c'est du premier choix. Chez moi, ça s'appelle une annulation de vente. Et aussi, selon le même principe, si toutefois je désire malgré tout maintenir la vente en vendant le premier choix au prix du deuxième choix, et vous désirez quand même annuler, vous ne pourrez pas annuler, étant donné que vous achetez du blé de deuxième choix,
le premier choix, c'est sûr que c'est aussi inclus dans la vente. Quand vous avez dit deuxième choix, c'est au moins le deuxième choix. D'accord ? Principe, il est clair, de nouveau. Précision du Tosot Yom Tov, qui rapporte au nom du Nimo KSF, il inclut encore un autre cas un petit peu particulier. C'est que, supposons par exemple que moi, je viens de Be'er Sheva, j'apporte ma marchandise et je la vends en prétendant être, en affirmant être de la premier choix. Quelqu'un vient et me dit, mais à Jérusalem, ça c'est du deuxième choix, ça. Il faut le rendre au prix du deuxième choix. Tu ne pourras pas l'avoir dans 10 shekels, ça coûte 5 shekels, c'est du deuxième choix. Je dis, bah, ma foi, si c'est du deuxième choix, alors tant pis, je la vends en deuxième choix. J'accepte de la vendre en 5 shekels. Et puis après, je fais un petit tour dans le marché et je réalise qu'en réalité, il y a aussi d'autres vendeurs de Jérusalem qui vendent la même marchandise en tant que premier choix. Dans ce cas-là, je serai en droit d'annuler la vente parce qu'il m'aura trompé. Il m'aura fait passer du premier choix en tant que deuxième choix, donc je suis en droit d'annuler la vente. C'est clair ? On continue maintenant. Troisième cas, troisième situation. Cette fois-ci où Ra'ot, Venim Tseou, Ra'ot, on vend de la mauvaise qualité et il s'avère que c'est de la mauvaise qualité. Donc, ce qu'on a parlé, c'est ce qui arrive. Yafot, Venim Tseou, Yafot, ou encore on vend de la bonne qualité et il s'avère que c'est de la bonne qualité. En Echad Mehem, Yachol, Lachazor, Bo, aucun d'eux ne pourra annuler la vente. Vous allez me dire, alors là, c'est vraiment évident. Mais en réalité, il faut quand même le préciser. Pourquoi ? Vous avez sûrement, les vendeurs, ils aiment bien toujours vanter leurs marchandises et ils disent des bêtises à n'en plus finir. Chacun avec sa phrase, avec les enfants, on se les répète. Ouais, bo les cannes, bo les casques, comme ça, au Shuk Mahana Yehuda là-bas. Il y a chacun son slogan et il y en a un là-bas qui crie constamment « Premier choix, premier choix, premier choix ». Alors, premier choix, on est parti, on a acheté le premier choix. Et une fois que j'ai acheté donc premier choix, moi j'ai vu que même c'était de la bonne qualité premier choix. J'ai dit vas-y, donne, 5 shekels, donne. Et une fois qu'il me l'a vendu, il me dit, oh là là, mais tu sais bien, je dis toujours premier choix, mais en fait je voulais dire cette fois, j'en dis premier choix, viens, ouais, peu importe comment il essaye de me trafiquer maintenant, de me dire, non, son intention c'était de me vendre la mauvaise qualité, mais là, la qualité extra, il s'est planté, il a fait une erreur de calcul. Je lui dis, écoute mon pote, premier choix, t'as dit premier choix, 5 shekels, j'ai payé 5 shekels, il n'y a pas eu de tromperie, tu connais ta marchandise, tu sais très bien ce que tu vendais. Et la vente est maintenue, idem aussi si on fait le coup avec l'inverse, le mauvais choix. L'autre qui vient et qui dit, allez, donne-moi tes pommes pourries là, allez, donne-moi tes pommes pourries. Le vendeur, ouais, l'acheteur, lui, il est toujours en train de critiquer la marchandise. Allez, donne-moi tes pommes pourries là, donne-moi tes pommes pourries. Et comme ça, il pense prendre les pommes pourries, mais en fait, de premier choix. Il dit qu'elles sont pourries, comme ça, je lui fais pas augmenter le prix, comme ça, il essaye de me le baisser. Une fois que je lui donne, ben, mettre des pommes pourries, il commence à me dire, mais elles sont pourries, tes pommes. Je lui dis, ben oui, mon pote, on a parlé de pommes pourries, je te donne des pommes pourries. C'est ce qu'on a convenu. D'accord ? On avait besoin de le préciser, c'est toute la mission, elle est évidente. Ensuite, quatrième situation maintenant, c'est lorsqu'on se trompe de produit. Shechamtit venimtet levana. Shechamtit, c'est du brun. Venimtet levana, il s'avère que c'est la blanche. On parle pas de cocaïne, on parle de blé. Il y a du blé brun et du blé blanc. Le blé brun, il a son avantage de fournir beaucoup de farine. Quand on l'écrase, il fait beaucoup de farine, un volume plus important de farine. À la différence du blanc. Mais le blanc, il fait du pain de meilleure qualité. En tout cas, c'est du blé, c'est vrai, mais c'est deux sortes de blé. Chacun, il a son avantage, chacun son atout, et on a vendu l'un en pensant qu'on vendait l'autre. Les deux, la Mishnah va nous enseigner, les deux sont en droit d'annuler la vente, tout simplement. Shechamtit venimtet levana, donc il a vendu du brun, en pensant que c'est de la blanche. Levana venimtet shechamtit, de la blanche en pensant que c'était de la brune. Idem encore, il a vendu du bois, il est parti acheter du bois pour charbon, pour ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a deux sortes de bois, il y a le bois d'olivier, Etsim shel zait, Venim tseou shel shikma, vous vous rappelez, on avait déjà vu shikma, charouf et shikma c'est le figuier. C'est aussi du bois avec lequel il a aussi des avantages, on parle d'obsarim cette fois-ci, il a certaines propriétés en tout cas. Chacun a sa propriété, il brûle à sa manière. Peu importe, chacun a son petit avantage supplémentaire de ce fait. Ils sont distingués. C'est-à-dire, s'il n'y avait aucune différence entre du bois de chêne et du bois d'olivier, par exemple, alors dans ce cas-là, tu es venu acheter du bois, même si on a dit chêne, olivier, c'est la même chose. Mais dans la mesure où on trouvera toujours qu'il y a une différence, il y a certains, celui-ci, il dure plus longtemps, celui-ci dégage une odeur plus agréable, on trouvera toujours une certaine raison. Dans ce cas-là, on va définir que c'était deux produits distincts, et dans ce cas-là, on sera en droit d'annuler la vente. Dans les deux sens. On s'est trompé tout simplement dans le droit d'annuler. Etzim shel zait venim tseou shel shikma, donc des bois d'olivier, et il s'avère qu'ils étaient de figuier. Shel shikma venim tseou shel zait, de figuier, il s'avère qu'ils sont d'olivier. Yain venim tseou chometz, il a vendu du vin, et il s'avère que c'était du vinaigre. Chometz venim tseou yain,
du vinaigre, il s'avère que c'était du vin. Même si vous allez me dire, le vin, il est censé coûter plus cher. Oui, mais c'est une deuxième sorte. Moi, aujourd'hui, je voulais assaisonner mes salades avec du vinaigre et j'ai pas envie qu'on se saoule en buvant du vin, tout simplement. Donc, je serai en droit d'annuler de nouveau. Les deux sont en droit d'annuler. Mishnah très simple. On fait tout de suite le bantin droit. Dalet midot. Quatre mesures. Dinim chalukim zemizé. Quatre alachot distinctes l'une de l'autre. Machar lo chitim yafot. Il lui a vendu du blé de bonne qualité, du beau blé. Itna imo. Il a posé comme condition. Shitane lo chitim yafot. Qui lui donne du beau blé. Benim tseura hot. Il s'est avéré de mauvaise qualité. Avec eona. Dans ce cas-là, ce sera comme une tromperie. Ulfikar, pour cette raison, Yachol Achzorbo, Mishenit Anna, celui qui a été trompé, uniquement, Bilvad, uniquement, pourra revenir annuler sa vente. Dehu Lokeach, parce que, c'est-à-dire, en l'occurrence, dans notre cas précis, dans le premier cas, ce sera l'acheteur, Avel Mocher, Eno Yachol Achzorbo. Le vendeur ne pourra pas, lui, annuler la vente. La Filo Ukru, Achiti Marbe, même si finalement, il a une raison pourquoi il veut annuler, ouais, ça peut, d'accord. On va illustrer trop longtemps, mais on a compris le principe. En echad mehen yachol achzor bo. On parle cette fois-ci du troisième cas de figure où c'est ce qu'on a parlé, ce qu'on avait convenu. Vafilu hukru ou uzlu, même si finalement, ouais, ça peut être fréquent. C'est le principe général qu'il faut maintenant, la petite épice qu'il faut faire entrer dans la Mishnah, c'est réaliser que parfois, dans certaines situations, on a tout intérêt, par exemple. On voudrait annuler la vente, même si on a vendu la bonne qualité en tant que mauvaise qualité, on aura un intérêt. Par exemple, si Pitom, on a à peine fini de vendre, qu'on entend que les prix ont augmenté, ont flambé, et ouais, on avait la radio allumée une fois qu'on a fini de vendre, qu'on a vendu donc le mauvais blé en tant que bon blé, on entend soudainement qu'il y a eu un crash et le prix du blé s'est mis à augmenter, à décupler x10, et bien on a donc envie d'annuler la vente, et bien on ne pourra plus l'annuler si on est le trompeur, tandis que l'autre pourra toujours annuler. La filo ou kru ou uzlo, même si le blé il a augmenté ou il a baissé, velom asilo kiach le meimar, et l'acheteur ne pourra pas dire annule yafot nit kavanti. Quand on a parlé de mauvaises, en fait mon intention c'était d'acheter des belles. Et alors pourquoi je t'ai dit des mauvaises? Vaida amina raot. Et pourquoi alors je t'ai dit que c'était des mauvaises? Mishum de ravaï au maracone. Tu sais très bien que toujours le client, comme on dit en hébreu, nars, il est jamais content. D'accord? Alors tu sais très bien que je disais rara, je dis qu'elle était mauvaise, mais en réalité, mon intention c'était d'acheter de la bonne. Non, on lui dit, t'as parlé de mauvaise, t'as dit la mauvaise. Vechen ifra et idem, inversement. Le vendeur ne pourra pas dire, anil era hot nit kavanti, mon intention était de vendre des mauvaises. Et que quand je disais que c'était de la belle qualité, c'est parce que toujours le vendeur, il se met toujours à crier sur sa bastax et il vend le premier choix. Shechmatit, c'est quoi Shechmatit? C'était le blé brun, Aduma, rouge, Vekolchum, et tout ce qui est marron, Metergiminan Shachum. On le traduit Shachum comme on s'est rapporté dans les versets avec les histoires de Lavan et de Yaakov. Ouais, Chum Baksevim. Bakvasim. Nivenim tset levana. Maintenant, il s'avérait que c'était du blanc. Veika denichale behai. Veika denichale behai. Le Bartanora nous explique pourquoi est-ce que je définis qu'il y a deux espèces. C'est-à-dire, si on va parler du blé blanc et du blé super blanc, s'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux, ça s'appelle une seule espèce. À la différence du cas où il y a du brun et du blanc. Cette fois-ci, ika denichale behai, il y en a qui. Ceux qui préfèrent cette sorte, et il y en a qui préfèrent cette sorte. Les kol ki haigamna, et tout cas semblable, donc il y a une distinction entre les deux espèces, avec mes cartes out, on considère que c'est une vente erronée. Les shnehem, pour les deux parties, les shnehem et cholem l'arzor, les deux pourront donc annuler la vente. Des ilu beyafot venim tzoura ot, kula alma nichalehu beyafot. Par contre, à la différence du cas, du premier cas par exemple de la Reisha, quand il est vendu de la belle et il s'avère que c'était de la mauvaise, alors dans ce cas-là, le vendeur, lui, ne pourra pas annuler la vente, lui. Parce que, ouais, d'accord, parce que... Des lobbyafot, parce que dans le cas de la Reisha, les Nimtzerot qui sont vers mauvaises, tout le monde est intéressé à maintenir la vente avec des yafot à la place. C'est-à-dire, quand tu achètes du deuxième choix, si finalement je t'ai fourgué du premier choix, toi, t'as pas à te plaindre, maximum c'est moi qui peux me plaindre, inversement.
Yain venimza chometz, il a vendu du vin, et il s'avérait que c'était du chometz, du vinaigre. Il y en a qui préfèrent avoir du vin, et il y en a qui préfèrent du vinaigre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.